c'est très important pour nous de partager. Partager un moment familial. Le patient est notre projet, parce que c'est à travers le patient qu'on peut améliorer la santé. Il y a une triade, soins, enseignement et recherche. On essaye de faire au mieux pour la recherche, pour œuvrer aussi pour les soins, et ça c'est très important. Vous tous, vous êtes des acteurs, tous ensemble, nous serons des acteurs pour améliorer la chirurgie de demain. Merci à toutes et à tous. Merci. De cette journée, donc je cite le président du congrès, ex-président de l'académie, Albert-Claude Benamou. Derrière moi, j'entends la douce de Jean-Claude Coufinal, président de la commission innovation de l'académie, qui a vraiment beaucoup donné de sa personne dans l'organisation scientifique, et puis le secrétaire général, Hubert Frenet, avec toujours plaisir à travailler. Voilà, pas de grand discours, je suis avant tout heureux d'être entouré de toute cette jeunesse, et je crois que ça symbolise un peu le futur. Le pouvoir vous appartient. Pour nous, c'était très symbolique de venir ici. Le but, en fait, c'est de mixer les praticiens avec les entreprises, et en particulier les jeunes praticiens avec les jeunes entreprises, parce que c'est ça l'avenir de la chirurgie. Et quand on est ensemble, on est plus fort. Gentil de vous donner la parole. Alors, je voudrais effectivement vous dire combien on est heureux d'avoir fait ce rapprochement, puisqu'il y avait des chirurgies du futur, il y avait des RICF. Et on est, voilà, c'est le rapprochement qu'on a fait depuis 2 ans ou 3 ans. Et ce n'est pas le seul rapprochement qu'on a fait avec les industriels. Je crois que ce qui compte énormément pour nous, c'est que toutes les parties prenantes soient réunies, parce qu'on est en train de passer un cap qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire que l'innovation se mette en ordre, et surtout qu'elle se mette en ordre sur le plan de la régulation et sur le plan effectivement administratif. Qui est en chirurgie, surtout au niveau de la réalité virtuelle. Parce que là, je suis en première année, je vois que c'est très important de s'entraîner avant, parce que quand on arrive au bloc opératoire, on est souvent perdu au début. Donc, on aura une introduction du directeur général de Paris Santé Campus pour remettre le prix de réalité virtuelle et réalité augmentée, ou réalité réelle. Donc, je passe la parole à Antoine Tellier. Merci beaucoup Gabriel. Bonsoir à tous. Je suis très heureux qu'on puisse faire cette remise de prix après cette séance de pitch particulièrement intéressante au sein de Paris Santé Campus. Et forcément, il y a une start-up qui a été choisie. Et je vais briser le suspense puisque le gagnant est Surgiverse, Abyss Medical. Et là, on va passer au suivi parcours de soins. Un petit mot de Hubert Jolalé qui va passer la parole à Lise Alter. D'ailleurs, dans cette catégorie, moi j'ai eu un mal fou de voter. Je trouvais que c'était tous très bon. Et donc c'est Lise Alter qui va nous donner le résultat parmi les différents candidats.
Alors, merci beaucoup et je suis ravie de pouvoir ouvrir cette enveloppe tant attendue. Les heureux élus. Visible patient. En tout cas, merci beaucoup pour les organisateurs, merci à l'Académie nationale de chirurgie et médecine. C'était une soirée exceptionnelle et bravo effectivement à tous les candidats. Donc, je dois lire ça et c'est Cortex. Le nom du vainqueur est Juicy. Je suis un des cofondateurs du Digital Medical Hub de la BHP. C'est le spin-off de l'institution qui a pour vocation d'accompagner les startups et les grands groupes sur du développement clinique, sur des dispositifs médicaux innovants. Et notre lien avec la chirurgie, c'est qu'on est très proche du CNJC et notamment du docteur Marc-Olivier Gossi qui est à la création de cet événement-là. Et on a notamment gagné il y a très peu de temps le RHU Rebonne à Nice et on est très très heureux de pouvoir travailler avec le docteur Sedoun qui est un élément moteur pour la chirurgie de demain. Et c'est un événement dans lequel on veut pouvoir nous apporter notre savoir-faire, notre expertise pour que demain, eh ben, on puisse créer une dynamique avec toute cette génération qui arrive, qui veut innover. Safe Team Academy. Ce soir, on a une occasion extraordinaire de faire quelque chose, c'est de faire la fête à l'intelligence et à l'innovation en santé. Et je voudrais remercier bien sûr aussi fortement l'ISALTER pour le soutien qu'elle porte à l'activité de l'Académie en tant que directrice générale de l'Agence sur l'innovation en santé. Je crois que c'est très important pour continuer ensemble un parcours exceptionnel. Bien, bonsoir. Déjà, bravo à tous les organisateurs. Et puis, à Meditex, on en connaît un petit coup, mais là, je suis complètement bluffée. Je suis surtout bluffée par les merveilleuses innovations qui nous ont été présentées avec cet investissement personnel de chacun au profit de l'écosystème de la santé et des patients. C'est le lynx. Oui. Merci. Juste que tout le monde applaudisse Gabriel, parce que c'est l'organisateur de cette soirée. Il faudrait, c'est le président du Conseil national des jeunes chirurgiens, et l'Académie est très fière de travailler avec nous. Merci, merci Alberto. You were all I long for, all I worship and adore.